Il y a quelque temps, alors que j'enseignais à l'université, un étudiant m'a demandé quelle avait été ma plus grande surprise dans la vie. J'avais la tête qui tournait parce qu'on n'a pas de relations personnelles quand on enseigne à l'université. J'ai immédiatement répondu, la brièveté de la vie. Presque sans que l'on s'en rende compte, les années ont passé et la vie est presque finie. D'un côté, la brièveté de la vie devrait nous interpeller. Si nous devons vivre pour le Christ et le partager avec les autres, c'est maintenant. Jésus a dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais la brièveté de la vie devrait aussi nous réconforter. La vie est courte et l'éternité est devant nous. Croyez-vous en l'éternité? Lorsque les souffrances nous accablent ou que les difficultés nous assaillent, nous savons qu'elles seront bientôt terminées. Comme Paul, l'apôtre, a écrit, « Notre légère affliction, qui n'est qu'un moment, produit pour nous un poids de gloire beaucoup plus grand et plus éternel. » Ne vivez pas comme si cette vie allait durer éternellement. Ce n'est pas possible. Vivez plutôt en pensant à l'éternité. Bonne journée.